Ce samedi 4 mars, les célèbres youtubeurs français McFly et Carlito ont surpris leurs millions de fans en annonçant leur départ temporaire de la plateforme. Ce dimanche 5 mars, Raphaël Carlier, alias Carlito, a dévoilé les vraies et tristes raisons de cette pause. On a décidé de faire une pause de vidéo YouTube. Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests, aux concepts, qu'on a tant aimé et tant pratiqué n'a plus le même goût, car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus inédite ou nouvelle. Ajoutez à ceci la naissance du troisième enfant de Raphaël et Erika, cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se réinventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis, plus simplement, a écrit David Koskas, alias McFly, ce samedi 4 mars sur son compte Instagram. Mais ce dimanche 5 mars, c'est au tour de son binôme, Carlito, de prendre la parole. Et le jeune papa de trois enfants a privilégié la transparence, en dévoilant la raison principale de ce retrait. De sacrées complications. Le 14 janvier dernier, c'est en publiant un post sponsorisé par un amour indivisible et éternel, sur son compte Instagram, que Carlito avait annoncé la naissance de son troisième fils. Et si l'amour et le bonheur étaient au rendez-vous, très vite, la santé du troisième bambin de Raphaël Carlier et Erika s'est fragilisée. Jusque-là discret sur le sujet, ce dimanche 5 mars, le binôme de McFly a décidé de faire tomber les masques, de sacrées complications avec mon bébé d'un mois et demi, qui est, de retour à l'hôpital. Très protecteur et discret lorsqu'il est question de sa famille, le youtubeur n'a pas pris la peine de s'étendre davantage sur le sujet. Je déconnecte de partout. Mais en découvrant la suite du message de Carlito, ses fans ont très vite compris que la santé fragile de son petit garçon n'était pas l'unique raison de cette pause médiatique puisqu'il a déclaré être en plein burn-out. À bout de nerfs, le jeune papa préfère déconnecter de partout, car il y a des priorités. Et si cette annonce a autant inquiété que peiné les internautes, ces derniers ont tout de même eu droit à une lueur d'espoir car Raphaël a assuré, là, ça ne déconne plus, mais ça déconnera bientôt de nouveau et de la plus libre des manières. Viewsis post ton Instagram à post shared by Carlito @rapcarlito, à lire aussi il faut savoir dire stop, McFly et Carlito annoncent faire une pause article écrit avec la collaboration de 6 médias.